Salut, 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 comment ça va? Alors, regardez, attendez, il y a tout qu'à changer là. Ah, ça va, j'ai eu peur, ça s'affichait pas la musique. Par contre, ça bouge pas. C'est normal ça. Monkey, regarde, ça marche pas ton truc. Salut à tous, comment vous allez? Merci pour tous les follow, bonsoir, bonsoir. Ouais, Monkey, un petit problème dans la matrice là. La matrice. Pff, matrice. Et bonsoir. Mais non, j'ai rien touché, je te jure, j'ai rien touché. C'est trop bizarre. Attends, je change de son, peut-être ça va marcher. Ah, ça a bougé. J'ai juste changé de son, Monkey, je te jure. En gros, Monkey, il est venu chez moi. Et on a fait plein de réglages, enfin il a fait plein de réglages, il s'est cassé le cul pendant une demi-heure pour remettre tous les problèmes que j'avais et tout. Et il a fait super gaffe à ce que le titre que vous voyez là, là où il y a la musique, ça soit parfaitement aligné, que ça soit parfaitement bien, genre on l'a verrouillé pour... Ah non, je l'ai pas verrouillé. Je verrouille. Pour que ce soit bien et tout. Et là j'arrive, ça marche plus sur le live. Oui, vous avez vu cette chaise? Attendez, je peux pas tout vous montrer. Hop là! Hey, elle est trop belle. Je l'aime trop. Avec le petit coussinet. Coussinet Oméga. Ah, trop agréable. Ah, comment ça va, vous? On l'a verrouillé, oui, bien sûr. Je te jure. Ah, la forme et toi, bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Tout va bien.
Vous avez vu la nouvelle présentation que j'ai faite sur mon Twitch? J'ai un peu tout modifié. Bon, c'est temporaire, hein, c'est un truc que j'ai fait toute seule. En attendant, je trouvais ça cool. En fait, je vais partir sur une ambiance. Comment dire? Ça va être l'ambiance finale, hein. Le côté néon et tout ça. Donc, ce sera style peut-être tag néon et fluo. Enfin, bref, ça va être ce style-là, quoi. Donc, pour l'instant, c'est moi qui l'ai fait toute seule, mais bientôt, ce sera mieux fait. Et merci, Monkey! Ah, c'était juste pour voir l'annonce. Magnifique annonce des Cheers. Donc voilà, j'ai hâte que tout se peaufine petit à petit. On y vient, hein? Allez, c'est parti! On va faire un peu de ranked. J'aimerais bien passer rang 5, ce serait l'idéal. Bon, je suis peut-être un peu ambitieuse. Rang 6, ce serait déjà cool. Bien reposé hier soir? Oui. En fait, c'est juste que je commence de plus en plus à réfléchir à mon planning. Et je pense que je streamerai alors pas le mardi et pas le samedi. Enfin, c'est une décision qui est compliquée pour le samedi. J'ai l'impression que c'est là où il y a le moins d'audience et le moins de gens disponibles parce que les gens vont soit en soirée et tout ça. Enfin, voilà, le samedi, c'est là où ils font le plus de choses. Après, c'est un soir où des fois tu as envie de te poser, je sais pas. Donc, je pense que je ferai pas le live le samedi, ouais. Soirée et tout, ouais. Non, vous avez l'air plutôt d'accord avec moi. J'ai vraiment eu du mal à choisir. Attendez, je change de scène. Mais je me dis que c'est le plus logique au final. Samedi, il y a les Simpsons. Ah bah bravo, merci! Ah, il y a le nouveau bras de fer qui vient de sortir et qui donne deux paquets. Attendez, je vais faire ça vite fait, hein. Oups. Tu as passé une bonne journée? Oui, journée ménage et organisation du stream. Donc une journée normale. Rien de fascinant. Fais comme tu veux. Bah après, j'essaye de me caler avec les horaires des gens où ils sont le plus là. Parce que forcément, si je live à des heures où il n'y a personne. Bah vous allez rater tous mes lives, tu vois. Donc voilà, je pensais à pas streamer le mardi, parce que le mardi en général, c'est. Enfin, moi en tout cas, j'avais tout le temps des grosses journées à l'école et tout, j'avais pas trop envie de me poser ou quoi que ce soit. J'avais envie de rien faire, tu vois. Le mardi, c'est vraiment la mauvaise journée. Ça a toujours été ma mauvaise journée le mardi. Et le samedi, voilà. Si vous avez des suggestions. Peut-être plus intelligente, plus logique. Monte un peu le son, on n'entend pas la musique. Très bien. Après, elle n'est pas exceptionnelle la musique, hein. C'est une musique sans livre de droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Bon, je vais pas la mettre maintenant, hein. Salut, Cré, comment tu vas? Quand t'as un taf de merde, c'est tous les jours mardi. Ah, on est d'accord, c'est tous les jours le mardi. Enfin, c'est tous les mardis, pardon. C'est tous les jours mardi. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Ah, ça y est, c'est monté au cerveau. Non, mais c'est normal, hein, c'est normal, c'est moi. Mais pour moi, c'était tous les mardis qu'il y avait un truc de merde, tout le temps. C'est ma journée maudite. Bon, ça l'est plus maintenant, hein. Mais quand j'étais en période de cours et tout. C'est moi qui ai fait blonde. Je pense que je vais faire blanc les cheveux. Genre garder la racine brune et faire blanc. C'est pour ça que, à la base, je voulais juste éclaircir pour faire un mi-blond, mais plus blond que ça et au-dessus marron. Mais ouais, je pense que je vais partir sur un blanc. En parlant de ça, hein, ça n'a rien à voir. Ouais. Bonsoir, Eldix, c'est Shubi, Aragel. Salut à tous ceux qui viennent de rejoindre. Comment vous allez? Ok, pour l'instant, on va juste faire ça. Bon, c'est un bras de fer, hein. Là, on est posé, on attend que les gens arrivent. On gagne nos petits paquets. Non, mais si, j'ai compris. J'ai compris, c'est juste qu'en fait, j'en suis venue à ça. J'en suis venue à ça. Mais. Pour une fois que j'avais compris. Je me sens jugée.
Non, ça va pas vous aller quand elle aurait fini. En fait, ça me va trop bien. Non, mais c'est tout le temps ça. À chaque fois, je demande des trucs un peu dangereux, tu sais. J'avais demandé. À la base, j'avais demandé roux et blond. Elle m'a dit. Ben, je vous ai dit, j'ai fait quatre coiffeurs avant de trouver quelqu'un qui voulait bien, tu vois. Alors ouais, c'est un peu chelou. Mais voilà, quoi. Au final, ça avait trop bien rendu. La carte parfaite. Ah, il l'a peut-être pas. Moi, je l'aime bien, lui. C'est assez greedy, mais bon. Foiler grave? Comment ça? Ah, tu parles à quelqu'un qui... Ah, tu parles à Foiler. Ok, ça y Désolée, j'ai du mal. L'éclairage n'est pas terrible, hein, ce soir. Encore une fois. J'ai l'impression d'être un fantôme. Alors, configurer. Oula. Bon bah tant pis, je serai un fantôme. Hein. D'ailleurs, je vais essayer d'économiser pour m'acheter un bon éclairage. Mon ki, il a tous les... il a tous les tips pour trouver des bons éclairages et tout ça. Donc je vais faire ça. Bon, c'est un bon tour 6, on n'avait pas de tour 6. Hop. Alors, cette nouvelle chaise, elle est tellement bien. Attendez, je vais vous montrer. Et merci, Foiler, qui s'abonne. Yes! Merci beaucoup. Attends. J'étais en train de faire un truc avec ma chaise. Ah, voilà. Regardez, je peux m'allonger et réfléchir au sens de la vie comme ça. C'est trop bien. Genre, t'es en train de parler, et là, tu fais. Ça rend trop bien. Je passe ma vie à faire ça maintenant. Je peux me balancer et tout. Eh ouais, cagneau de 10. Mais bon. J'ai dit, je ne le ferai pas. Pas en live. C'est pas très... Ça doit pas être très agréable de voir quelqu'un se balancer toutes les 2 secondes. Ça, c'est pas mal par contre. Bah, j'espère que ça va pas le donner à lui, mais bon. Ah, il y a de la grosse dubstep hein, sur leur chaîne. Allez, un de mes serviteurs, j'espère. Parce que c'est aléatoire, non? Oh! Ça va sur eux aussi, ok. D'accord, super. Génial. J'ai envie de reprendre Hearthstone, mais quand je vois le nombre de cartes que je connais pas, la flemme. Franchement, ça revient vite, hein. Ah, mais c'est Snow qui a offert un abonnement! Merci, Snow! Excuse-moi, j'avais pas vu. Je suis pas tout. C'est un coup à s'endormir, c'est clairement. Cruelly. Ah, ça sonne bien. Cruelly. Bonne nuit, Actouf, et bonne soirée. Enfin, bon courage plutôt. Si tu vas au taf. C'est chaud quand même. Ça doit être chaud les tafs de nuit. Vous en avez déjà fait, vous? Je me demande comment tu gardes un rythme et tout. Je crois pas avoir connu quelqu'un qui t'a fait de nuit. Ça doit vraiment pas être facile. Hein. Mais regardez-moi ça, comme une cancérise. C'est ma faute ça, je l'ai boosté. T'as l'habitude à force. Je suis désolée. Pendant 2 ans et demi. Et comment t'as vécu ça, genre. Oh, comment je suis bien sur ma chaise. Vous imaginez même pas comment. Comment t'as vécu ça, genre toutes ces années et tout. Enfin, tu pètes un câble, non? Tu vois plus personne, enfin. C'est chaud quand même. Alors, comment on survit? Bah, j'espère que ça passe, hein, on verra. C'est marrant avec dragon. Pendant 1 an et demi aussi, de nuit à l'usine. C'est top, tu as la journée tranquille. Ouais, mais tu dors la journée, non? Enfin. Ça me semble logique, quoi, que si tu travailles la nuit, tu dors le jour. Enfin, c'est trop chelou. Hello! Une fois que vous avez lancé 3 sorts en un tour. Ah, en un tour. Ah, c'est nul. Eh ben, écoutez, je vais la jouer comme ça.
J'ai pas de taunt, hein. Bah, je vais appeler un dragon à la fin de mon tour et puis je vais face. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt là, ils se réincarnent tous en 2-2, donc autant leur laisser leur râle d'agonie. Non, pas ce dragon là, tout sauf lui. Il est trop bien ce dragon. C'est un boulot alimentaire. Bah oui. Oui, c'est sûr. Mais ça doit pas être facile quand même. Je veux dire, tenir aussi longtemps, je sais pas. Je sais pas si je pourrais, moi. T'es coupé du monde de ouf. Après, ça dépend. Si t'arrives à dormir peu. Full win ce soir, bah ça commence mal. Ça commence mal, je te le dis. Vol de vie, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Bah très bien ça. Hop. Hop. J'aurais peut-être dû. Non, c'est bien. Je vais lui conférer réincarnation. Lui ou lui plutôt? Lui plutôt. J'aurais peut-être dû mettre mon aventurier, mais vu que je veux me heal, je sais pas si. C'est complexe, le choix est compliqué. Bon, on s'est remis à 17, c'est pas mal. Hein. T'aurais un dragon 5-5, mais c'est 3 sorts. Oh nice, le taunt. C'est 3 sorts, j'en ai fait que 2. Aujourd'hui, j'ai bossé dans une entreprise qui prépare les repas pour passagers d'avion. Pour les passagers des avions. Ah d'accord. C'est vrai qu'il y a ce taf là aussi qui existe. J'avais complètement zappé. Je file jouer, bon streamy, bisous. Bisous Alfaro, merci d'être passé. Je commence tard le matin vers 10h. Ah c'est bien ça. Commencer à 10h c'est pas mal hein. Salut Neosei. Bah écoute, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Là pour l'instant je fais une petite arène. Parce que, oh, ça, il arrive au bon moment, lui. Du coup, je vais en profiter pour faire ça. Ça. Je vais faire ça et je vais réinverser le mien. Comme ça fait une 1-6. C'est pas mal. Ça booste ma créature. Ça appelle un dragon en plus derrière. Donc, c'est bien, là, on est bien. La puissance incarnée. Je sais plus ce que je disais. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai pas. J'ai une sale tête. Ça arrive comme ça des fois. Il y a des jours où ça passe pas. Rentable ta carte, ouais, clairement. Il l'a pas géré depuis tout le long aussi. Fou. Je peux vous dire que j'ai jeté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouffe. Ah, tu m'étonnes. Putain, en plus, moi qui osais jamais en redemander dans les avions, bah au final, ça se trouve, ça vous arrange en fait. Et bonsoir Chaos, comment tu vas? Mais à chaque fois, genre, ce que j'adore dans les avions, c'est les gâteaux d'apéro salés. Oh, j'aime trop. Ils en font des trop bons. Et à chaque fois, je n'osais pas redemander. Des fois, je redemandais une fois, tu sais, mais après, tu passes pour un. Je sais pas, pour un gros dalleux, tu sais. Excusez-moi! Je pourrais avoir pour la 10e fois, s'il vous plaît. Ça le fait moyen, tu vois. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va. 2, 4, 6, 7. Comment je le passe, lui? Je le passe pas. Parce que ça a zéro d'attaque. Je suis obligée de mettre la 12-12 dedans, ça fait mal quand même. Ah, je vais faire de la place. Pour jouer ça. Je vais pas me heal, c'est pas grave, je me fais confiance. Et je trade pas parce qu'on est des oufs et que j'invoque des dragons. Ah merde, j'ai plus de dragons. Dommage. Je taffe comme job étudiant, t'imagines pas ce qu'on jette. Tu taffes dans quoi comme en job étudiant? Salut, il demande dire comment tu vas? Une colle de maths à préparer? Comment ça, une colle de maths? Ouais, mais c'est ça, quand tu en demandes, c'est moyen, quoi, ça. Une fois, ça passe, mais encore. Enfin, pour les boissons, ça passe mieux quand même. Salut, Tiger, comment tu vas? Si t'es plusieurs, tu fais une demande en plus par personne, mais c'est toi qui boum. Je suis ce genre de personne aussi. Vas-y, demande quand même, comme ça tu me files. Et en plus, tout le monde prend le sucré, donc du coup, je dis vas-y, demande un salé vu que t'as eu un sucré et tout. Il n'y a que moi qui prends le salé à chaque fois. Mais c'est trop bon. C'est des ouf de prendre le sucré, c'est dégueulasse à chaque fois le sucré. Mais le salé, par contre.
Nice. Une copie 1-1. Ça peut être pas mal sur lui. En fait, je suis pas sûre, non. On va plutôt la jouer comme ça. Mais de toute façon, on a gagné, donc bon. Salut mon Blaze Esprit. Salut à toi. Comment tu vas? Salut, supérieur sucré. Mais c'est ça, je suis totalement d'accord. Le sucré, c'est surfait, c'est. Je comprends pas. Et salut Maocello. Yes, on a eu notre bras de fer. Double paquet normalement. Yeah, j'ai deux paquets les gars. Est-ce qu'on rattrape notre quota de la dernière fois où j'ai fait une ouverture de merde en deux paquets? Ça, c'est une vraie question. Trois paquets. Allez, j'annonce au moins une légendaire dans les trois. C'est pas du tout mon espoir qui parle. C'est totalement légitime. Super. Je suis abonnée au doré, moi. Tant mieux. Et salut, Berry. Beniro. Elle est une petite légendaire. Oh. J'ai eu Vélène, moi. Ouais, bah moi j'ai rien eu du tout, ok. Épique. Bon, ok. Une épique. Même pas de rare, tu sais. C'est genre, si t'as l'épique, t'as pas la rare, par contre. Hein, abuse pas, abuse pas. Après, j'ai 700 gold, hein, je commence à monter. Tu vas pas de quel parfum, Yves Saint Laurent. Non, je vais pas te. Là, en ce moment, c'est. Ouais, Free Rouge Menthe, toujours. Par contre, c'est très propre, niveau hygiène, c'est impeccable. Mais j'imagine, hein, dans les avions, de toute façon, je pense qu'ils font gaffe à tout. T'imagines, t'as genre un virus pendant que t'es en l'air sur un truc de 12 heures. Ou, genre de la bouffe avariée, t'as un toilette, hein. Salut Elsa, tu n'es plus partenaire Asus? Salut Klaxar, bah si, pourquoi? Comment ça? Me fais pas peur, m'annonce pas de mauvaise nouvelle. Pourquoi donc? C'est parce qu'il n'y a pas le petit truc? Ouais, faudrait peut-être que je le mette en dessous, là, un petit overlay Asus Rog. Mais en fait, je me disais peut-être que je le mets trop partout, mais. Je l'ai, en tout cas, je l'avais pas enlevé. Deux ou trois WC. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour les longs vols, t'as plus d'un truc. T'as viré la bannière, bah c'était pas voulu. Je t'assure que c'était pas voulu. Alors, comment on fait ça, nous? Putain, j'ai pas les cartes qu'il faut. J'aurais pu avoir le truc qui fait piocher, qui donne de la vie. Mince. J'ai envie de rien faire. Ça marche si je fais ça? Évidemment que non, ça marche pas. Ça marche pas, dommage. Je vais te gronder. Pourquoi? Pourquoi donc? Ouais, c'est pas mal. J'essaye de me concentrer parce que j'aimerais bien au moins monter, ouais, rang 6, ce serait bien. Les sushis, c'est les meilleurs plats. J'avoue que c'est très bon. Je sais pas si je dirais que c'est les meilleurs plats. Oh non, je suis contre ce war là, je me suis fait défoncer tout à l'heure. Enfin, j'ai gagné, mais c'était chaud quoi. Chaud de ouf. J'avais fait une bonne sortie en plus. Et là, j'ai une très mauvaise sortie. Pour avoir enlevé le dernier rogue. Mais non, mais attends, je la remets tout de C'est une petite erreur de manipulation. Voilà tout. Image. Alors, on va remédier à ça tout de suite. Hop là! C'est vrai ça quand même. En plus, il y a le petit triangle qui rappelle le magnifique casque et tout. Et voilà, je suis redevenue sponsor. Magnifique. Comment je gère ça, moi?
Je suis obligée de all-in en fait contre les wars. C'est trop chiant. Ça me stresse trop. T'as créé une nouvelle chaîne aujourd'hui? Elle apparaît pas dans mes follows, je comprends pas. Comment ça une nouvelle chaîne? J'ai pas fait de nouvelle chaîne. C'est la même mais que je remets à jour en fait. Si c'est la scène qui ressort, j'ai vraiment le seum. Bah vas-y, c'est bon, vas-y. Salut Chaosmic, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Putain, on fait chier. Mais regardez ça aussi, gagne ses bastons là, sans problème. Genre l'air de rien, c'est la scène qui ressort. En plus, même si elle ressortait, si elle ressortait pas, il en avait quand même une, puisqu'il avait réincarnation. Ah, c'est abusé. Et qui on retag, c'est le même? Comment on voit déjà les derniers adversaires? Non, c'était pas le même. Mais là, on a déjà une meilleure main, quoi. J'ai limite envie de garder ça, mais ça se fait, ça se garde pas, mais bon. Sur 10 bastons, je t'ai jamais vu gagner. Mais on est d'accord, c'est dégueulasse. C'est abusé. Et je le colle en plus à chaque fois hein, que ça a pas marché. Hein. C'est impressionnant. Salut Nelifa, comment tu vas? Nickel, posé devant ton stream. Et bah écoute, c'est un plaisir. Eh bah putain, elle a changé, Khaleesi. Hein. Je dis ça parce que bon, il s'appelle Khaleesi, mais Skip, il a pas trop la tête de l'emploi, quoi. Ça a une gueule de war aggro, ça. Je sais pas pourquoi je le sens. Khaleesi. Ouais, c'est agressif, ça. Alors. Oh, ça, c'est un top deck de qualité. Je sais pas qui boostait, par contre. Je vais booster elle. Par contre, ouais, c'est peut-être mieux l'autre. Je sais pas. En fait, l'autre a déjà une qualité entre guillemets. Elle, elle a pas beaucoup de PV. C'est pas un war aggro. Tu vas prendre mon Modern Warfare? Tu vas prendre mo ah, Modern Warfare? C'est pas prévu. Putain, fait chier cette carte de merde. Oh. Là, un 3 serait cool. Ok, ça va quand même. Sois pas négatif, tu as bien gagné une baston au moins. Ouais, un jour! Un jour, bah après, j'avoue que j'ai bien cancérisé quand je jouais War à l'époque. J'avais fait des belles bastons aussi, donc. Ça se vaut du coup. C'est pardonnable. J'aurais pu le heal, mais vu que c'est un War, déjà que j'ai du mal à descendre ses PV, on va éviter d'abuser de la gentillesse. Le karma, mais quel karma? Je suis gentille moi? Non, vas-y. C'est pas grave. On a notre tour 7, c'est cool. Pourquoi tu es toujours méga stylé quand tu joues? À quel moment je suis stylé quand je joue? Alors, je ne savais pas, mais écoute, merci. Je prends ça comme un compliment. Hein. Là, par contre, ce serait pas trop mal de faire ça. Into. Il, lui, pour aller taper ça. Parce que là, si j'utilise mon tour 7, je vais overdraw. Je vais faire ça. Comme ça, je peux le trade. Prochain tour, je ferai peut-être un pyro parce qu'il va poser autre chose. Donc, du coup, en soi, je vais même pas poser lui. Salut Yoshi, comment tu vas? Je me lève tôt, bon stream, bonne soirée. Bah, bonne soirée, Divolf, merci d'être passé. Ok. Et il a armor up. Ok. Concentration. Ça ferait une 14. Ça fait un dégât à tout le monde, il aurait 3. Ah, c'est pas mal quand même. Ça se fait parce que du coup, ça joue pas exec. Ça joue pas exec, même s'il met 5 plus 3, ça le tue pas. Ça se fait. Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci.
Tu veux pas faire un marathon pendant les 15 jours de vacances? C'est quand tes vacances? Oh, j'avais pensé une idée la dernière fois. Dites-moi si c'est une bonne idée. Moi, je trouve ça trop bien. J'avais envie, une fois, soit ce serait pour Halloween, soit comme ça, enfin, ça a rien à voir avec Halloween là pour l'instant, mais de faire genre un marathon où on regarderait tous ensemble le Seigneur des Anneaux, version longue, mais les trois, tu vois. Et si c'était pour Halloween, genre regarder un film d'horreur, ça peut être marrant, en live, tu sais. Ok. C'est trop dur de gagner contre un war. Je pense que je le joue pas bien le match-up en plus. Je vais le mettre là parce qu'en fait, s'il veut taper là-dedans pour qu'il tue quelqu'un, il tuera pas la 1-5 et il tuera la 1-2. C'est bien ça. Je te suis direct avec le Seigneur des Anneaux. Salut Willy Wonka. Willy Wonka. Pff. Il y a le droit à un stream. Je crois pas que ça pose de problème de regarder un film en stream en fait. Je pense pas, c'est comme regarder un film chez toi, je sais pas. Ah ouais? Ah, c'est peut-être de la diffusion. Mais je sais pas, il y a plein de gens qui font des lives de. Tu sais, de. Comment ça s'appelle? De cette émission à la con, là, en français. D'accord, bon, c'est interdit. Dommage! Faut les droits. Oh, c'est con! 7, 14, 14 plus 7, ok. Je vais me prendre la baston de ma vie si je fais ça, mais en même temps, il reste combien de cartes? 16. Non, je vais pas le faire. Trop peur de me prendre la baston de ma vie et de pas pouvoir revenir après. Parce qu'en fait j'aurais pu booster elle. Vais faire ça tranquillement, je remets elle pour sécuriser ma 1-7. C'est comme diffuser de la musique protégée. Ouais, mais au pire il t'enlève le son, c'est tout, tu vois. Live réaction. Ouais, c'est le genre de truc comme ça, tu sais. YouTube, c'est mort. Oui, YouTube, je m'en doute. Je m'en doute pour YouTube. Putain, je déteste jouer contre War, mais c'est ouf. Il n'y a pas une seule classe qui est bien contre lui. Enfin, je crois que Druid, ça marche, mais je peux pas le jouer, mon Druid. Oui, la 7-7. Ah, ça fait plaisir, ça. Putain, pour une fois que j'ai de la chance. Je lui mets dans la tête. Mais go face. Tant pis. Et là, une baston, c'est pas très grand. Après, il peut mettre un deuxième pareil et trade. Et merci, Wiza, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Hey. For the horde. On est combien, là? Ils ont banni des gens comme ça. Bon, d'accord. Bon, bah, tant pis. Fortement. Ok, bordel. Bon, bah voilà, c'est exactement ce que je me disais qu'il pourrait faire. J'espérais qu'il l'ait pas du coup et qu'on puisse gagner là-dessus. Salut, The Canadien. Je voulais vraiment tenter un petit coup de chance pour voir si je peux me démerder comme ça. Parce qu'en fait, je vois pas les options pour gagner là. Il a tout, le mec, il a tout. Des nettoyages de terrain, y a pas de soucis. Des créatures, il s'en refait comme il veut. C'est super dur. Et il va taper avec son arme, du coup. D'accord.
Sinon, top 7 chaises, ouais, trop bien. Vraiment, c'est impressionnant la différence. C'est tellement agréable. On peut faire un live réaction du stream de Ligaïa? Comment ça? C'est fini là, je peux rien faire. Tu vas le battre, mais c'est impossible, y a pas d'issue là. Il se renouvelle trop et ce qui reste dans mon deck, c'est que des petites cartes. Il y a Amat encore qui reste, il me semble. Mais enfin, à part Amat, il le dépop comme il veut, il a tout. C'est l'enfer des decks méta. Ouais, c'est juste pas possible et ça, c'est trop fort en fait ce deck. Ah d'accord, c'est une blague, genre on regarde ton stream, ouais. D'accord. J'étais pas du tout dans le truc. Salut Azur, je sais plus si je t'ai dit bonjour. Je prendrais une chaise aux couleurs d'Iron Man pour faire ensemble rouge et or. Oh, moi j'aime bien comme ça, je trouve ça très sobre. Je préfère quand c'est sobre, je trouve ça beaucoup plus classe que commencer à mettre des trucs partout, des couleurs partout et tout. Bon, rouge et doré ça va, mais enfin du rouge quand même, c'est dur à caler dans un salon. Oups. C'est clair, je suis d'accord avec toi, Strife. Je vois pas comment je peux dire qu'elle est nulle cette chaise. Il n'y a aucun moyen possible et imaginable que je dise non, c'est de la merde. Ouais, bah super. Bravo! Bien joué! Je sais pas, je booste ma créature et j'espère que ça passe et... et on verra. Là, je tente tout, mais je joue vraiment... Là, j'ai perdu, j'aurais dû me casser depuis longtemps, je perds du temps sur cette game alors que... Alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Salut Chica, comment tu vas? N'éternue pas, avec ta chaise, tu vas te casser la gueule. Non, mais ça va, j'ai bloqué le mode... C'est vraiment le match-up super compliqué contre prêtre... C'est encore plus dur que contre Rogue. Rogue, tu as moyen de voler la game. Prêtre, c'est chaud, 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 chaud. Oui, après, si t'as un coin spécial pour ton PC, c'est bien. Moi, c'est dans mon salon, tu vois. Faut que ce soit un minimum ça va. Bah écoute, ça va super bien, Chica. Un paladin, c'est bien, ça va. J'ai pas eu de problème contre les paladins dernièrement. Est-ce que ça se garde en main de départ? Je crois pas que ça se garde. Par contre, j'ai un silence. Je garderai bien mon silence pour un paladin typiquement avec des mechas ou un truc comme ça. En ce moment, j'ai vu que des mechas sur le ladder. J'ai pas vu de Murloc. J'en ai vu un. Tu peux donner le prix de la chaise? Je crois que c'est aux alentours de 300 euros cette chaise. Et merci. Oh, c'est dur. Imjins. Merci Imjins pour ton follow. Ton abonnement. J'ai du mal. Oui, j'ai eu mon Rock Gold. J'ai enfin eu mon voleur doré. C'est trop cool. Finalement. Ok, il préfère le mettre dedans, ça me va. C'est très bien. C'est quoi ton film préféré, Le Seigneur des Anneaux? Ouais, clairement. Clairement, clairement. Après, il y a énormément de chefs-d'œuvre autres que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus fait kiffer. Donc, clairement, c'est Le Seigneur des Anneaux. J'aurais peut-être dû pièce à Matt pour faire ça derrière. Ça, c'était mauvais, par exemple. Parce que là, il peut prendre le trade alors qu'à Matt, il n'aurait pas pu. In tout ça aurait été fort. Ouais, c'était nul ce que j'ai fait. Prochain coup, je saurai. Elle t'a été offerte la chaise? Oui, c'est en partie.
C'est grâce à un viewer qui m'a permis de l'avoir. D'ailleurs, je le remercie énormément pour ça. Je sais pas si tiens à savoir, enfin, parce que ce que je dis, ce qui c'est quoi, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette aide très précieuse. C'est vrai qu'il m'a vraiment énormément aidé là-dessus. Ah, c'est chiant. Je suis dans une situation chiante là. Je pense que je vais silence en fait. Si je silence, je peux faire. Ouais, c'est bien. Hop. Booster ou mettre mon acolyte? C'est une vraie question, ça. Je pense que je vais booster pour pouvoir prendre le trade. Pour pouvoir prendre un trade supplémentaire, vu que c'est des murlocs, c'est assez insupportable. Et sachant qu'il peut avoir le truc qui donne toxicité, autant que je prenne un trade maintenant. Par contre, la question, c'est lequel? Celui-là. S'il a des murlocs dans sa main, au moins il peut moins faire le sort où il en invoque 7 et il a une carte morte. Je me fais à manger. Bah, bon appétit, Bordak. Toi aussi, tu connais tous les dialogues par cœur du Seigneur Zano? Bah, bien sûr, bien évidemment. Ah, si, trade tout, par contre, c'est la merde. Ok. Il est pas tombé, vous avez vu? C'est fantastique. Alors, comment on procède? Déjà, on s'occupe de ça. Non, mais en fait, c'est normal qu'il ait pas très. Il a gagné là. Putain, mais donnez-moi des pyros, quelque chose. Putain. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, oh, ça me saoule, j'ai rien ce soir. Et merci! La chaise a résisté, oui, t'as vu ça? Putain, j'ai vraiment pas de chance là. Bah, je retente. Ça s'est bien passé cet après-midi avec ce deck pourtant. Enfin, beaucoup mieux que là. Je joue sur GameCube au retour du roi pendant des heures. Oh, moi aussi j'ai joué à celui-là! Ouais, c'était retour du roi. Tu pouvais te battre contre les éléphants et tout, t'avais plusieurs persos, c'était du tour par tour. Il était trop bien ce jeu, si c'est celui-là qu'on parle. Moi j'ai vraiment kiffé. Chaman. Un petit pyro et ça peut pas faire de mal. Ouais, les Mumakil. T'as vu les Hobbits? Oui, bah tous, forcément. C'est pas du tour par tour. Bah moi c'était du tour par tour et j'avais vraiment kiffé ce jeu. Je jouais Galadriel là, c'était trop bien. Les deux tours sur PS2, tellement kiffé avec un pote. Mais ils étaient bien leur jeu, hein, du Seigneur des Anneaux. D'accord. Je comprends vraiment pas pourquoi il y a des chamans murlocs. Enfin, tu prends pas paladin, quoi. Tu prends pas chaman. C'est juste pas logique. Pourquoi t'as reculé d'un mètre quand t'as éternué? J'en ai aucune idée. Peut-être parce qu'il y a des roues. Pourtant, c'est bien calé. En gros, tu refaisais des batailles. Bah, moi, c'était la même chose, mais en tour par tour. Le tirage, je sais plus. Alors, attendez, je vais regarder. C'était bien sur GameCube par contre. J'ai regardé la jaquette au moins, peut-être ça va me dire quelque chose. Si, mais c'est ça. Oh, oh, comment je suis choquée. Je me rappelle que ça ressemblait pas. Dans ma tête, c'était super bien fait. C'était super bien fait.
à la base. Bah, j'ai bien fait de garder mon pyro quand même. Hein. Pas content le mec. Enfin, en même temps. Salut Komiko, comment tu vas? Salut Shadback. Ouais, c'était bien le retour du roi alors. Bah, il y a peut-être eu plusieurs versions, hein. Tu choisissais tes sorts et tout, c'était trop cool. Enfin, c'est logique en même temps. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Merde, j'ai fait qu'un pyro, c'est débile ce que je fais. C'est totalement débile de faire revivre mon pyro. Au moins la 4-7, il y aurait une chance sur deux. Salut Pivio, comment tu vas? Du prêtre, le tryhard est total, mais c'est galère, hein. Là je croise des wards, c'est horrible. C'est juste horrible. Tout ce qui est murloc, ça va. Bon, j'en ai perdu contre un parce que j'avais rien, j'avais pas de pyro ni rien. Donc c'est normal que je perde, mais les wards, c'est pas possible quoi. Ouais, faut chatter, on est d'accord. Le match-up est super mauvais. Ça va sûrement mieux que toi vu ton dernier tweet. Ah, oh, il m'a saoulé ce mec là. N'importe quoi. À quel moment tu viens de dire des trucs pareils? C'est pas possible ça. J'étais vraiment choquée. Salut Mathis Satanas. Salut, bah, si t'es nouveau, bah bienvenue. Et c'était quoi? Comment ça va? Bah très bien et toi? Ça, je le garde. 5, il peut peut-être mettre des charges dedans, mais au moins en fait, il met ses murlocs dans mes créatures plutôt que dans ma tête. Et je vois pas comment il revient s'il commence à tout trade. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, il est très trade. Je peux remarquer ton ménage pré-stream vu tes chaises à l'envers. C'est pas mon ménage pré-stream, ça, je l'ai fait cet après-midi, début d'après-midi, mais oui, en quelque sorte. Et merci Castor Flotter. Castor Flotter. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ok. Ouais, donc il prend tous les trades. Hein. Est-ce que j'ai quoi de faire 3 pour m'en débarrasser de celle-là? Non. Ça va être compliqué. Le pire jeu Seigneur des Anneaux, c'est la quête d'Aragorn sur Wii, cette abomination. Oula, j'ai pas trop joué au jeu de Wii à part ce que j'ai fait, c'est le truc du sport là où tout le monde jouait. Si, il y en avait un qui était bien sur Wii. C'était quoi? Il y avait un jeu qui était vraiment bien. Ouais, Wii Sport, voilà. Il y avait un jeu qui était vraiment bien, mais je me rappelle plus. Ça date trop. Mais le mec, il arrive à me gérer, c'est pas possible. Je pensais tellement pas qu'il allait la passer ma truc là. Putain, mais il a tout, ça m'énerve. Je vais devoir me souiller. Et là, faut que je trouve un sort à 1 au gros. Ah, ça c'est bien, par contre, c'est une bonne nouvelle. Ah, celui-là ou celui-là? Celui-là. Salut D35P412. Ah ouais. Tu es un robot? Ça manque de respect pour la Wii. Bah, elle était bien la Wii, mais bon, c'est pas une console sur laquelle j'ai tryhard, quoi. Qui m'achète une chaise, j'étais jaloux quand je l'ai aidé à la monter. C'est vrai, Monkey a participé au montage, enfin a beaucoup participé au montage et surtout au portage de la chaise qui fait 30 kilos. Merci à lui. Vous pouvez applaudir cet homme.
Oui, piocher. Oh, c'est tout? Ouais, vous imaginez ce que j'allais piocher là derrière, n'empêche? Horrible. Bon, il a plus de charge, il a plus de trucs qui boostent ses murlocs. Il a juste, je crois qu'il lui restait un poison. Enfin, toxicité. Ouais, vous pouvez l'applaudir pour son courage et son dévouement. Salut, oh, vous avez des pseudos compliqués. Pazit to gold. Je sais, j'arrive pas à le dire, je suis désolée, mais salut à toi. Il a des talents. Il a carrément des talents. Oh, ça me saoule. Putain, il marchait bien ce deck tout à l'heure. Monster Hunter, Smash Bros. Ah, Smash Bros, c'est ça. Mais c'est pas la console que j'ai tryhard dans tous les cas. C'est pas... C'est une console de salon, quoi. Tu joues quand t'es posé. Je me rappelle, j'avais un jeu que j'avais kiffé, c'était Bob l'éponge. Je le kiffais trop ce jeu. Merci. Il était trop bien. J'avais fait semblant d'être malade et tout pour jouer à Bob l'éponge. N'importe quoi. Rayman vs Lava Cathar, c'est vrai ça. Oh, mais ça date en fait. Hein. Le chevalier est meilleur que le T7, je crois. Il y a le chevalier. Il y a un chevalier. Il y a 14 ans! Non, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Il y a 14 ans, mais attendez, j'avais quel âge? Oh, c'est pas possible. Non. Non. Je veux pas y croire, je refuse. Il y a 14 ans, je refuse. Salut, ouais, Jackie. Comment tu vas? Excuse-moi. Excusez-moi pour tout ce que je rate dans le chat, hein. N'hésitez pas à réécrire deux, trois fois si jamais vous voyez que je vois pas. Bon, spammez pas non plus, hein, c'est pas ouf. Mais je suis désolée, hein, si je vous vois pas, je vous réponds pas. L'intention reste la même. Bonsoir à tous et tout ça. Mais c'est vrai que ça défile et moi je regarde mes cartes et j'arrive pas toujours à te voir. Ouais, bah ça va, je calcule. J'avais 5 ans. Oh putain. C'est chaud. Moi j'avais 8 ans. C'est grave quoi. J'ai l'impression de me rappeler encore. De me rappeler comme si c'était hier quoi. Pourquoi t'es pas chez Solary? Bah je sais pas. Hein. Demande à Solary. Je n'en sais rien. Ils ont peut-être pas mal de monde aussi. Ils sont au complet. Tu veux faire un live unique? Comment ça? Un live unique? Genre un seul live dans ma vie et après j'arrête. Dis salut les gars, je me casse. Ciao. Tu vas faire des lives juste chatting? Oui, bien sûr que oui. Genre un soir, enfin, peut-être un soir ou un live où j'ai juste envie de me co, genre en après-midi ou quoi que ce soit, je me poserai, on parlera. Arma. C'était une bonne blague, hein. J'ai rigolé. Fini les conneries, no more bonobo. Salut Kimi, comment tu vas? Bah j'essaye. Là j'ai commencé sur prêtre, c'était pas possible, c'était ingagnable. C'est pas grave si tu nous loupes. Bah un petit peu, je t'ai loupé du coup, je suppose, si tu réponds à Néa. Salut à toi d'ailleurs. Je me rappelle pas avoir dit ton pseudo. Putain, 20 saquettes! Ah ouais. Non mais ça c'est pas un bon plan en fait, mec. Ça c'est pas gentil du tout. Putain. Oh, donne les deux dégâts, mais je t'en supplie. Mais là ça plie la game en fait, c'est pas possible. Merde. Oh, putain.
Putain de merde. Le murloc. Le murloc. Oh, une 3-4, c'est pas mal, n'empêche. Putain, c'est chaud. Tour 3, il m'a fait ça quand même. Je dois donner un lift avec mon char. Je dois donner un lift avec mon char. Eh ben écoute, The Canadian, bonne soirée. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est très intéressant. Bonne soirée à toi. Tu peux sort à 0 sa yen pour remettre au stat de base. Bah non, c'est juste ça la soigne et ça lui confère comme provocation. Ça la détruit pas, ça. Et salut, c'est Sadness en fait. Un live où tu montres des photos de toi enfant. Ah, ça peut être marrant ça. Oh my god, on a perdu les gars. Ouais, non, c'est pas le bon sort. On a perdu. Ouais, c'était trop bien. S'il fait que ça, peut-être. Ah, oh, putain, mais c'est pas possible. Bien joué, mon gars. Fais chier. C'est horrible quand même. 100%, il y a des dossiers que tu veux pas montrer. Ouais, il y a plein de trucs. Hein. Ça, on n'en doute pas. Hein. Putain, je pensais que je pouvais faire ça. Je sais pas pourquoi. Bon, bah voilà. C'était une bonne game. Non, mais franchement, j'ai vraiment pas de shot. Hein. C'est impressionnant ce soir. On est d'accord. Il me faut des trucs incroyables. Imagine gagner avec une coupe au bol. Pas du tout. Pas du tout. J'avais. Ah si, j'ai un gros dossier sur moi quand même. Quand j'étais petite. Oh, oh ouais, j'en ai plein en fait quand j'y pense. Il y a une vidéo de moi. Quand j'étais en classe de neige. En CM1. Oh la honte. J'arrive toujours pas à la regarder cette vidéo, j'ai trop honte. Non, ça va en vrai maintenant. Mais... Dossier fourchette. Oh non, pas ça. Ça c'est trop récent encore. Ghost of Gifts, c'est quoi ça? On se fend la poire, Jackie. Je suis morte. I'm claqué. Non, non. I'm. Comment on dit? Comment ils disent? Ils disent. Comment on traduit LMAO, LMAO? Je me tape le cul par terre? J'avais envie de dire LMAO. Ouais, je vois, ok. Je sais pas, ça y est. Oh, je deviens peut-être bilingue. Je commence à réfléchir en anglais. Ah, MDR, ouais. Salut Gabro, ça va et toi? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, voilà, je commence à réfléchir en anglais. Le bilingue arrive hein, bientôt. Ouais, c'est ça, je me tape le cul par terre, quoi, en gros, c'est ça. Bon, on va la gagner. S'il vous plaît, donnez-moi de la force parce que là. Ah, mais t'es vraiment trop drôle, hein. Franchement, j'ai ri. J'ai ri. Tu vas aller aux US? Alors, qu'est-ce que c'est que cette question, Ghetto? Non, je crois pas, en tout cas. À moins que t'aies prévu de me faire la surprise. Pas du tout. Bon. Il serait temps de trouver quelque chose d'intéressant. Oh, des loups, ça peut être bien ça. Je vais faire des loups tout de suite. Parce que...